Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn pour nos vidéos audio commun. C'est notre première vidéo du jour pour nous soutenir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur sa cloche pour l'activer et cliquez directement sur j'aime. Et surtout que cette histoire va vous vraiment vous intéresser, même vous pousser à réagir. Dans la partie commentaire, vous pouvez tout simplement réagir et nous dire clairement ce que vous en pensez, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs! Wow! Ça va être chaud! Ici, nous allons découvrir des choses hors du commun. Hors du commun! Des trucs énormissimes! Il se pourrait qu'il y ait une partie de... Mes frères et sœurs, écoutez. Écoutez très bien. Un jour, une sœur a eu un problème. Elle a eu un problème avec son fiancé. Les deux sont ensemble depuis 5 ans. Ah! Et le problème est que son mari pense que elle le trompe. Mais tu veux, je te trompe avec qui? Il dit, je sais pas. À chaque fois, c'est ce qu'il disait à la femme. Il dit, mais je te trompe avec qui au juste? Tu me dis, je te trompe. Mais c'est avec qui au juste? Ah! Avec un homme visible. Mais avec qui? Elle aime son mari. Et elle ne veut même pas voir leur relation se détruire. Ça fait 5 ans, les deux sont ensemble. Et elle aime franchement. Pour ne pas voir cette belle union se détruire, elle a décidé de se confier en l'homme. Ha! Elle a décidé de se confier à qui, mes frères et sœurs? Elle a décidé de se confier en une personne. Et cette personne-là, c'est sa meilleure amie. Et qu'est-ce qu'elle va faire? On dit toujours que quand il y a un problème entre deux personnes, on appelle une troisième personne pour venir régler le canon. C'est pas ce qu'on dit chez nous. On dit oui, oui, c'est exactement ça. Et elle, la troisième personne qu'elle a invitée dans cette affaire-là, c'était tout simplement sa meilleure amie. Comme sa meilleure amie connaissait bien son mari, elle s'est dit que elle peut l'aider à résoudre le problème. Puisque ce dernier ne veut même plus la voir. Il ne veut plus la voir. Là maintenant, les deux mêmes sont dans deux maisons différentes. Ah! C'est une situation qui ne convient pas à cette femme. Il faut faire quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi on dit malheur à quiconque se confie à l'homme. Elle allait raconter tout ce qui s'est passé à sa camarade. Ah! Sa camarade s'est dit, mais selon toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ton mari tout de suite s'est fâché contre toi et il pense que tu le trompes? Qu'est-ce que tu as pu faire? Elle a dit, ma camarade, je suis avec lui depuis 5 ans, je l'aime de tout mon cœur. Et je l'aime toujours, comme au premier jour. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, aujourd'hui, il s'est levé contre moi. Et il s'est mis à raconter de n'importe quoi. Vraiment, s'il te plaît, viens à mon secours, viens m'aider. Fais le voir et fais quelque chose. En tout cas, si tu as réussi à le convaincre de me reprendre, je t'en serai très reconnaissant, je serai vraiment très content pour tout ce que tu leur as fait. Franchement, je serai content. Elle dit, ok, tu es ma camarade. Je vais le faire pour toi, il n'y a pas de souci. Maintenant, sa camarade à qui elle a raconté le problème là. Elle, ce qu'elle ne sait pas, c'est que son problème là, c'est la personne même qui a l'origine de son problème là. C'est la personne à qui même elle a confié l'affaire. C'est la personne à qui elle a confié le problème, le sujet. Et c'est cette petite camarade-là qui
à la base de ça. En fait, sa camarade, là, qu'elle appelle sa meilleure même amie, là, même là. Elle a deux visages. Elle a deux faces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant sa camarade qui est là, sa bouche est penchée ici. Mais derrière elle, sa bouche est penchée de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle, elle a deux bouches. Ce qu'elle dit dans sa même bouche là, c'est pas ce qu'elle dit encore avec sa autre bouche. Et ça, c'est dangereux. Vous savez ce qu'elle fait? Nous allons vous dire. Elle, elle veut prendre le mari à sa meilleure amie. Quand elle voit toujours en joie, tout ça, elle n'est pas trop contente. Elle se dit que c'est un vrai gars. Si elle est là pour elle, elle va l'arranger. Puisque Damel prend bien sa femme, c'est qu'il va bien aussi la prendre. C'est comme ça qu'elle pense. C'est ce qu'elle pensait. Et comment elle a fait pour mettre la division entre eux là? C'est ce qu'elle a commencé à faire. Et elle a commencé à raconter de n'importe quoi au sujet de la femme à son mari. Oui, c'est elle qui a raconté de n'importe quoi. Du genre, sa femme, c'est une prostituée, elle le trompe. Elle dit de ce genre. Ah! Vous voyez que souvent, là, les hommes ne peuvent pas trop discuter par rapport à ça. Parce que c'est une histoire où c'est ta meilleure amie mais qui vient de donner de telles informations. Et quand les meilleures amies arrivent pour gâter l'affaire, là, elles prennent bien l'affaire et disent: oh, tu sais que je suis sa meilleure amie. Je ne peux pas te mentir. Dès que tu dis que tu sais que. Dès que tu dis que. Tu sais, je suis sa meilleure amie, je ne peux pas te mentir. Toi, tu peux dire que peut-être elle a raison. Mais toi, il faut être intelligent quand même. Le diable est là. Et elle, la femme là, elle va sur son mari et elle gâte l'affaire. Elle dit que ta femme est comme ceci, elle n'est pas bien, elle croit comme ça. Que moi-même, je suis bonne femme. Et puis elle-même là, elle parle d'elle. Elle fait sa promotion, sa publicité. Pour dire que non, sa camarade n'est pas bonne, mais elle est bonne. Elle peut l'aider, elle peut lui donner de bons conseils et le soutenir dans ses moments difficiles. Puisque je viens de découvrir la vérité. En fait, cette vérité qu'elle vient de donner. Et de l'autre côté, elle retourne chez sa meilleure amie. Elle dit à sa meilleure amie que ton mari, vraiment, c'est un dur. Il est dur, il ne veut même pas te recevoir même. Il ne veut pas te recevoir, mais il ferait tout ce qu'à mon possible pour que ça puisse redevenir comme avant. Or, au fond, là, elle a tenté de mettre le feu, la braise sur le feu. Mais comme Dieu ne doit pas, un jour, quelque chose d'inattendu va se produire. Depuis que cette affaire a commencé, là, l'homme et la femme ne se voient plus. Ils refusent de voir la femme. Mais ils vont se retrouver un jour chez leur mère. Je ne sais pas dans quelle situation les deux vont se retrouver là-bas. Les deux ne sont même pas conscients qu'ils connaissent la même personne. Et arrivé là-bas, c'est là que tout va se clarifier. En fait, sa camarade, qui est sa meilleure amie là, elle pense que sa meilleure amie là couche avec le maire là. Oui. Et envoie de l'argent à son mari souvent pour le soutenir aussi en cas de difficulté. Et c'est ce qu'elle pensait. Regardez-moi ça. Et le maire a tout clarifié devant eux. Pour dire que franchement ta femme elle était venue un jour me voir pour dire qu'il y avait un problème dans son foyer, elle a vraiment besoin d'argent et qu'elle est prête à tout. Ah, et moi je lui ai proposé d'avoir des rapports sociaux avec elle. Je ne savais pas que c'était ta camarade, je ne savais rien de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a refusé d'avoir des rapports sociaux quand je lui ai donné sur la dirige. Elle a même pris un couteau, elle a dit que si je lui fais quelque chose, franchement, elle va se tuer. Parce qu'elle ne souhaiterait pas revoir son mari en face après avoir couché avec un autre homme juste pour de l'argent, juste pour subvenir à leurs besoins. Donc moi, je lui ai donné de l'argent là comme ça, car tu te m'as dit non, faut pas couper de l'argent, t'as te tuer ici. Donc rien ne s'est passé entre elle et moi à ce niveau. T'inquiète. Voici l'homme est là. La femme aussi est là. Voici la vraie information. Toi, tu ne sais rien de tout ça et tu te mets à gâter l'affaire de ta camarade pour une bonne place. Vous voyez les choses comme ça? Les meilleurs amis dans le foyer, là, ça n'existe pas. Si vous avez des problèmes au foyer, appelez Dieu, il va venir régler vos problèmes. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud.